Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce breton avec ses gitans? Alors, est-ce que comme moi, ce soir, vous pensez que les gitans valent mieux que leur image de voleur de poule? Alors là, c'est la famille de Brice Hortefeux. Le premier? Ouais. C'est nous, les gitans, qu'on apprend. Ouais, alors donc vous étiez là avant Adam et Ève? Avant tout le monde. D'accord. C'est gentil d'applaudir, voilà qui témoigne de l'incroyable engouement qu'il y a en ce moment autour du groupe Ma Guitare S'Appelle Revient. Je ne vois pas d'autre explication. Et pour paraphraser le célèbre poète castillan Yves Duteillos... Le succès d'un spectacle réussi repose sur trois éléments indissociables. Numéro 1, la ponctualité du groupe. Oh, mesdames et messieurs, oh, mais quelle catastrophe! Nous sommes navrés. Oh, putain, je suis loin. Oh, je vois pas dans le noir. Attendez-moi. Ah, c'est là, c'est là. Mi café, mi café. Olé, 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 mi café, mi. Figurez-vous qu'on a été victime d'un contrôle légèrement appuyé de la marée chaussée. Heureusement, sur la fin, ils se sont calmés quand ils m'ont confondu avec Jean-Luc Reichmann. Ça, ça les a calmés. Hein. Moi aussi, ça m'a calmé. On refait, vous doutez bien. Vous voyez cette main? Je la vois, cette main. Un petit coup? Hop là, ça part! Ça va? Ouais. C'est court? Ik daag me vooral en dag meneer. Ik ben in Nederland geboren, ja. Baila miri mozzalza, baila mi rumba. Baila miri mozzalza, con una guitarra. Baila miri mozzalza, baila mi rumba. Baila miri mozzalza, con una guitarra.